Je n'ai regardé là, divers militants a foulé la Port-au-Prince, journée aujourd'hui, puis précisément, sous chaîne Masla, y ont façon pour demander démission à Ariel Henry pressé. Militants ça haut depuis ce maintenant, qui déjà te prend l'aria, y ont façon pour dire eux-mêmes, y ont pas en affaire avec secteur démocratique là encore, y ont même qui réalisé que secteur démocratique là lui-même, la fait au prend la rue assez souvent, mais son façon pour lui capable mettre au dans la rue et puis au même pour faire cop sous dos yo. Mais de ça qui fait qu'on est que André Michel c'est une moun qui gain job et sous gouvernement Ariel Henry. Alors malgré André Michel lui-même souvent apprend la ria pour faire qu'on est lui-même li camper en opposition, eh bien ça pas empêché mettre André Michel gain gros l'argent en main, ça pas empêché mettre André Michel lui-même la baigner dans siro pendant que militant ça eux-même y a bien chien pendant que militant ça eux-même yo pas gain rien en main. Militant qui fait qu'on est eux-même tout yo gain madame yo gain petite et pral gain ouverture le col là, eux-même y a mandé des mission Ariel Henry et yo fait qu'on est tout yo pas en affaire avec causé et André Michel souvent fait au qu'on est yo c'est yo campé bon côté secteur démocratique là. Alors j'ai au calé journée aujourd'hui yo fait qu'on est yo pas en bagarre André Michel a vinn di au campé des barricades a vinn di au barricade c'est avenir yo pas en bagarre comme ça parce que André Michel lui-même souvent a mettre au devant pour louer macho à parce que monsieur lui-même li gen gros job nan mil. Nous pas laisser regarder comment ça atterri sous chaîne Masla, comment militant ça eux-même yo t'a prilé en moué derrière André Michel et yo t'a demandé démission pressé Ariel Henry sous pouvoir. Eh bien nous prenons les sous regarder, mais avant même que nous leur sous visualiser vidéo qui donne pas quelques secondes pour nous saluer et puis remercier ou même qui était un fan inconditionnel ou même qui toujours like partager quitter un commentaire dans chaque vidéo que nous partager ensemble avec vous sous channel là. Faut nous dire leur like leur partage leur quitter un commentaire sous channel là, c'est celle façon ou capable encourager nous dans travail ça que nous même n'a fait. Alors ou même qui abonné déjà n'a remercier et ou même qui beaucoup abonné n'a invité ou abonné avec channel Genangia pour nous capable à grandir communauté. On regarde comment ça a été sous chaîne Masla, on regarde comment ça a été sous chaîne Masla tout. Alors et puis après nous même n'a tourné pour plus analyse sous dossier André Michel qui souvent a metté divers militants dans l'aria fait au quoi que barricadio c'est avenir barricadio c'est seule façon yo même yo capable retirer pays à dans salier journée aujourd'hui pendant mettre André Michel lui-même li gagné gros job dans mille. Nous souvent dit c'est comme ça nek sa ou même yo fait politique dans pays a et nek sa ou même assez souvent les a mettre militants dans la ria, assez souvent les a mobiliser peuple a fait peuple a prend la rue pour peuple a prend gaz pour peuple a victime toute façon dans la police et puis yo même yo souvent pas même mettre pied dans manifestation ça. Assez souvent c'est comme ça bon leader politique ça ou même yo agit avec peuple haïtien, mais fois ça j'ai peuple haïtien li calé yo fait qu'on est yo pas prendre dans crapaud na nan même pile leader politique ça encore yo même si yo gen pour prendre la rien y a prendre la rien volontairement yo pas gen cob qui que ce soit nan men yo. Alors yo pas tendez André Michel Kabmeye dans l'argent pour voir pendant lui-même l'a encouragé pour y prendre la ria. On ne parle pas l'empile, on regarde comment ça t'est sous Chan Masla et puis après nous-mêmes n'a tourné pour plus analyse. Le grand rassemblement des Haïtiens nationalistes pour le travail grand a salué la presse par l'écrit et télévisée qui présente en conférence de presse à matin. Objectif de conférence noire, c'est attirer l'opinion nationale et internationale sur une correspondance que nous adressons à l'actuel Premier ministre Ariel Henry pour nous faire part d'un double objectif. Le premier objectif, c'est attirer l'attention du Premier ministre sur l'accord qui était signé entre différents secteurs, différentes forces de l'opposition pour nous soumettre nous à l'aveu de la Constitution du 87 qui reconnaît un exécutif bicéphale. Et nous demander pour que lui évacuer tout impondérant qui a empêché que nous arrivions à atteindre l'objectif ça.
Deuxièmement, étant donné que tout secteur de la vie nationale a concerté ensemble pour être capable d'arriver à choisir un président de la République, selon le vœu de l'accord, nous profiter adresser correspondance avec le Premier ministre pour nous faire une proposition concernant le Grand Sud qui a été dévasté par le séisme de 14 août dernier. Dans le cadre proposition ça, nous demandons pour mettre en place une commission intérimaire humanitaire pour la relocalisation et la reconstruction du Grand Sud que nous relais CIHRRS. Objectif commission ça, c'est régulariser la distribution de l'aide humanitaire, éviter le désordre dans la distribution de l'aide, éviter que l'aide humanitaire ne soit pas détournée à des fins personnelles et partisanes, dénombrer et relocaliser les familles victimes de manière ordonnée, c'est définir un plan de reconstruction pour les 3 départements frappés par le séisme. Mais qui secteur nous proposer qui t'a dû faire partie de commission ça? Nous dit c'est des représentants de l'église catholique, protestante, anglicane, des représentants du corps groupe, des représentants du secteur vaudou, des représentants des organisations des droits humains, des représentants des organisations de femmes, des représentants du corps pura, des représentants du secteur paysan, des représentants du secteur socio-professionnel, des représentants du gouvernement à travers structures qui existaient déjà, que les CUN à travers le pays et CUN à travers les départements, des représentants des partis politiques et des pôles politiques, des représentants au plus haut niveau de la PNH nationale, de la police nationale d'Haïti, excusez. Mais qui qualité nous dit, moun ka fait partie de la commission Satadou Gagné. Nous dit, c'est des médecins, des infirmières, des psychologues, des urbanistes, des géologues, des ingénieurs civils et architectes, des sociologues, des travailleurs sociaux, des professeurs, etc. Quelle est leur mission? Leur mission, c'est à court terme, intervenir en vue d'apporter des assistances immédiates aux victimes, des assistances immédiates aux victimes du séisme en termes de matériel sanitaire, alimentaire, comestible et vêtements, etc. Deuxièmement, à moyen terme, après avoir dénombré les différentes familles victimes, doter familles Sayo de moyens économiques qui vous permettent que vous capable de reprendre des activités économiques dans la zone. Yo. Troisièmement, à long terme, c'est élaborer un plan de relocalisation des familles d'une part et reconstruire ces zones suivant des critères météorologiques et géologiques d'autre part. Parce qu'on n'est pas sans savoir, après le séisme dévastateur de 12 janvier 2010 qui passait dans le pays, eh bien, nous passons à côté. En 2016, après le passage de cyclone Matthew qui ravageait le sud et la Grand'Anse, nous passons à côté. Aujourd'hui, il est important pour que nous-mêmes, en tant que Haïtiens, nous fassions de bagailles côté que nous coupions le passé, nous coupions fâchés avec le passé, pour nous faire de bagailles qui sont capables de préparer une alternative pour le futur. Et bien, c'est dans le cadre de ça que Grand lui présente proposition ça au Premier ministre Ariel Henry pour que nous capables d'organiser le futur de l'autre façon. Ok, nous connaissons que pour le moment, il y a plusieurs accords qui ont signé. Il y a encore Montana qui fait hier et nous connaissons très bien comment ça finit. Et puis Pierre-Marie Henry lui-même qui rencontrait des organisations socio-économiques, Pierre, dit non, côté nous-mêmes nous fixer position nous, par rapport à différents accords, ça va cap signer. On est clair, dans la correspondance là, qui a un double objectif, premier bagage que nous attire l'attention pour le ministre Ariel Henry, c'est le respect scrupuleux de l'accord qui était signé entre les forces politiques
qui dit clairement nous pour un exécutif bicéphale qui gagne en tête lui un président de la République qui est le chef d'État et un premier ministre en tant que chef de gouvernement. Et nous-mêmes qui ces grands membres FND qui ces forces nationales pour la démocratie, c'est là nous situer nous. Donc nous situer nous dans cadre ça. Nous dit nous reconnaître qu'il faut qu'il y ait un exécutif bicéphale. Mais deuxièmement, étant donné que l'État n'a pas qu'à camper, il faut que l'État avance. Et les gens qui sont victimes du séisme 14 août qui sont passés là, ils ont souffert. Nous disons qu'il faut presser, les mettre à camper. Il y a une commission internationale humanitaire pour la relocalisation et la reconstruction du Grand Sud. Voilà okay. En gros l'essentiel de notre proposition. Ok, dans le cas de est-ce que nous-mêmes, nous justement admettons que ça cap joué là, et dans différents types d'accords qui ont proposé là, le pays a lui-même pas tiré rien de différents accords. Bon, moi, je ne suis pas prêt très pessimiste moi-même, parce que je pense que, du fait que nous sommes encore vivants, il y a, je suis capable de dire, des secteurs de la vie nationale, les partis politiques, la société civile. Pourvu que il y a des gens qui ont réfléchi, il y a des gens qui ont pensé, il y a des gens qui ont proposé, cela veut dire que c'est bien pour la démocratie, c'est bien pour le pays. Donc, un pays mourir, c'est lorsque il n'y a pas de gens qui sont debout. Donc, une fois que le pays a, il y a des gens qui ont réfléchi, il y a des organisations et socio-professionnelles, il y a des organisations de la société civile, il y a les organisations populaires, il y a le secteur des jeunes, il y a les femmes, il y a les partis politiques, tout ça. Donc Haïti pas qu'à mourir. Haïti est encore debout. C'est vrai, nous pouvons jouer bon route là pour nous sortir. Mais quand même, nous pas sur mauvais chemin parce que nous avons concerté entre nous, nous avons discuté entre nous. Nous pensons que c'est bien pour la démocratie et c'est bien pour le pays en quelque sorte. Merci. C'est à moi de vous remercier.